Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Anno 2070, Opération Crash Boursier. Et oui, donc je vous avais essayé la dernière fois, dans l'épisode précédent, on avait attaqué la mission intermédiaire, donc on avait fait la première mission en un seul épisode, c'était plus cool. Donc on avait attaqué la mission de type intermédiaire, où, je rappelle, il nous faut faire 40 000 de commerce, avoir 1000 employés tycoon et 900 ingénieurs tycoon. Sachant que il nous reste plus que le mode de vie à mettre en place. Ouh, Nous, je pour le m'attendais mode au de vie, pire. le mode de vie, voilà, c'est ça. Il faut qu'on ait du pétrole, donc qu'on récolte du pétrole, ensuite qu'on pose des raffineries de pétrole, et ensuite qu'on mette des usines de plastique. YOLO. Petit souci, léger souci, c'est cette histoire de bilan écologique. Est-ce que vous avez vu Il est le programme du critique. ministère de la Vérité? Très intéressant. Je regarde un petit peu combien je perds. Oh la vache, réduit à 93%, tu m'étonnes. Je regarde un petit peu aussi où est-ce que j'en suis au niveau de mes stocks. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je regarde un petit peu, c'est pas ouf ouf. Ah tiens, il y a Trenchcoat, j'avais oublié. Trenchcoat, j'achète de la vinasse. Évidemment, j'ai pas assez de vinasse. J'en ai pas énormément, on le voit. Au niveau de mes stocks, je suis pas à fond. D'ailleurs, je pense que je vais remettre un petit peu. Rajouter une couche. Voilà. Bon, c'est pas très grave si ça bloque tout. Il va falloir que je remette un nouveau dépôt. Hein. Il y en a là aussi. Ça devrait aller. Pour ce qui est du poisson, j'aimerais bien aussi que ça produise plus. Parce que là, pour l'instant, ça produit que dalle. Ah, les granules, il faudrait peut-être que je vende les granules aussi. Ah mais les granules ça se vend, c'est juste que j'achète jamais. Ok. Ça ne me dérange pas de travailler dur quand tout le reste va bien. Oui chef, moi j'aimerais bien monter un petit peu le... Ok. Parce qu'on le voit aussi, les impôts c'est assez ardos, on n'a pas grand chose. Le bilan est pas ultra positif. Plus j'ai plus que 18 000. J'ai vraiment pas grand chose. Bon, on voit que ça... Quoi? Je produis pas assez de porc? Sérieusement, les gens? Parce que surtout ici, est-ce que c'est pas oversaturé mon dépôt? C'est peut-être tout simplement ultra saturé. Je vais rajouter un petit peu des trucs de porc. On va pas se lancer dans la construction de plastique si tout ne fonctionne pas avant. C'est combien? C'est 3 par 4. Voilà, je pense que c'est bien ici. Je peux en caler un là, un là, un là. Je regarde un petit peu où je vais le placer. Ici, ça me semble pas mal. Ok. Donc avec deux supplémentaires, je pense qu'on devrait arriver à faire quelque chose. S'il vous plaît. Hein? Parce qu'au niveau du... Si vous mettez des pots. Voilà. Au niveau des épices, je crois qu'on est vraiment à la blinde. Ouais, c'est ça. C'est la viande qui tient pas la route. Donc méfiance. Dans l'idéal, il faudrait 3 usines d'approvisionnement. Et actuellement, c'est pas du tout ce que j'ai. Il m'en faudrait plus. L'énergie, ça va. Les impôts, ouais, on le voit, c'est un petit peu la galère. Je pense qu'il va falloir que je tire une nouvelle zone de population dans pas longtemps. Voire même, on peut la commencer, hein. De toute façon, ça me coûte rien. Alors. Ne pas se planter de direction, ne pas se planter de direction, ne pas se planter de direction. Ok. Les incitations fiscales ont fortement réduit nos recettes, ce qui va nous obliger à rechercher d'autres sources de revenus. Oui, je sais. Sois gentil. Arrête de te répéter. Tu as déjà dit dans l'épisode précédent et dans l'épisode d'avant. Alors, on va refaire un petit peu de la population.
pour avoir des nouveaux revenus. Parce que là, c'est pas la joie. Hop, et évidemment, je l'ai décalé d'un petit peu. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait du mal à personne. C'est pas ultra optimisé, mais c'est pas très grave. Non, ça par contre, c'est bien dégueulasse. Non, oh la vache, je me suis encore planté. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En plus, ça me coûte des matériaux, c'est pas drôle. Je fais de la grosse daube. Ok, on va partir là-dessus. Normalement, ça devrait, il devrait y avoir un peu de population qui doit arriver. Je vais même mettre de l'activité tout de suite. Les trucs d'activité, ça ira bien. Comme ça, on aura des employés en plus. De toute façon, il va en falloir un paquet. Hein. Voilà, donc avec ça, on est parti. Ça peut être pas mal. Les impôts qui montent, si je voudrais... Je voudrais aller à plus... Oh la vache! Qu'est-ce qui m'a coûté si cher? Là, j'étais à 18 000, je suis plus qu'à 16 000. N'importe quoi. Ok. Je gagne un peu d'argent. Ouais, en fait, on sent que le commerce va être vraiment indispensable. C'est vous qui décidez ici? Je trouve que vous vous en sortez bien. Oui, je sais, je m'en sors super bien. Ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce que j'en suis. Donc là, on est à 94, là, on est à 100%. Pourquoi tu veux pas monter à plus de 80? Voilà, c'est bon. À ce niveau-là. On est nickel. Au niveau des ressources. Non. Non, pas ça que je voulais faire. Le poisson, ça va. La vinasse, ça va bien aussi. Bon. On a l'air d'être plutôt bien. Je pense que faire un autre centre de production de... Une autre usine d'approvisionnement, ça risque d'être un peu dur. On va essayer. Voilà, on va essayer. Ensuite, on va essayer de s'attaquer un petit peu au plastoc. Donc pour ça, il va falloir qu'on pose encore des pompes. Parce qu'on n'est pas... Je pense qu'on n'a pas assez de pompes. Il faut pomper plus. Il n'y a pas une limite, d'ailleurs. Non, site minier, ressources minérales. Ok. 4 foreuses de pétrole. Bon, bah, on va y aller là-dessus, hein, je pense. Hein. On va y aller là-dessus... Nécessite du pétrole brut, produit du pétrole. Et ensuite, nécessite du pétrole, produit des marchandises de plastique, satisfait les besoins. Nanana. Ok. Donc là, on va ultra polluer. Parce que ces machines-là, c'est le pire cancer. Ok, c'est bon. Vous êtes bien relié. On va voir si ça suffit, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement, mais si ça peut suffire, ça serait déjà pas mal. Alors, je vais continuer à mettre des maisons. Bon, alors, bah, c'est plutôt pas mal tout ça. On voit que les maisons d'employés, bah, elles sont complètement... enfin, leurs besoins sont complètement satisfaits. C'est une bonne nouvelle, j'ai continué à mettre quelques maisons. J'ai aussi réglé un petit peu quelques petits problèmes... notamment, voilà, bon, j'ai remis une nouvelle usine de production de viande, mais ça n'a pas l'air de suffire. Encore que, ouais, non, ça n'a pas l'air de suffire. Quoique, je sais pas trop. Non, si, ça va, ils sont bien chargés, je pense que ça devrait tenir, au pire, ça nous indiquera. Mais on voit que c'est surtout que, ici, j'ai beau avoir amélioré les deux dépôts, on voit qu'ils galèrent vraiment à supporter tout. C'est un coutillage. Ah oui, je suis à 110. du coup, les outils, peut-être qu'il faudrait en vendre. J'aimerais que quelqu'un ait un peu de compassion pour nous, les petites gens. Ah, des petites, des trucs de plastique, ça pourrait être pas mal. Où est mon bateau? Non, c'est pas ça. Je sais plus où est mon bateau. Comment on fait pour avoir mon bateau? Je voulais juste savoir si vous aviez réussi. Et mon bateau, il est là. Je suis bête.
Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux aller récupérer les débris? Ok, les débris, c'est facile, ça fait un petit peu de... Là, ça va faire des plastiques en plus, c'est cool. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi vous ne voulez pas monter de niveau, s'il vous plaît? Ah oui, je voulais faire aussi... vendre. Où sont mes outils? Là. Ok, c'est bon, ça. Ça va faire un peu de thunes. C'est juste que... Je sais pas pourquoi ils veulent pas monter de niveau. Vous avez tout le matos pour monter. Vous avez les droits d'ascension autorisés. M'énervez pas. D'accord, faut tout ramener là-bas. Je regarde un petit peu. Il me faut encore 580 pour faire du commerce. Wow, le poisson qui se barre à une vitesse. Je pense qu'il va falloir faire une autorité portuaire. On peut pas la mettre par là? Ok. Alors je crois que ça peut aller chercher des items en utilisant un truc aérien. Je crois. Oui, ça peut aller les chercher, ça va un peu décharger. Voilà, des tonnes de plastique. Hop, ça aussi, ça va aller bien. Qu'est-ce qui va pas? J'ai l'impression que le pétrole ne va pas bien. Je produis pas assez de pétrole. On va le faire. Où est mon pétrole? Dégradation du bilan écologique. Oh, tu m'étonnes. Précaire. Hier, ma femme a fait des steaks. Ça faisait si longtemps qu'on avait... Ah, oh, ça va, 1%. Les mecs, ils m'énervent pour 1%. Alors, pourquoi vous ne voulez pas... Ah oui. Changement démographique. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Pareil pour eux. What? Ah, tout d'un coup, là, je perds énormément de thunes. Bon, ok, d'accord, c'était pas prévu. Alors, attendez, ce qu'on va faire... On va interdire les employés de monter de level. Ah, j'ai gagné un peu de thunes. Votre plan est déloyal. Ah, les plans SAAT. Oui, non. Non, 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 non. Hop, désolé. Alors, j'en étais où? J'en étais à... oui, je montais les ouvriers. Parce qu'on va avoir tout un petit problème... Ok, d'accord, les outils, c'est bon. On va avoir tout un petit problème lorsqu'ils vont vouloir tous monter de level. Grâce à votre consommation de pétrole et de... Oui, je suis content, tu consommes du pétrole. C'est toi qui le produis, tu l'achètes pas chez moi, mais c'est pas grave, tu consommes du pétrole. Donc, je rappelle, pour valider tout ça, il nous faut les 900 Engineer Tycoon. On en a déjà 50. On va pouvoir en faire monter 35. Et nous, il nous faut aussi 1000 employés Tycoon derrière. Donc, pas falloir déconner. Et j'ai un peu peur qu'au niveau des ressources... Ça tienne pas le rythme. J'ai envie d'aller mettre des bâtiments de poissons ici. On a de quoi faire? Ouais, je pense qu'on a de quoi faire. Je vais étirer un petit peu, vu que là, le truc a l'air libre. Alors, roue de commerce. On va décharger du poisson. On va charger du poisson. Et ça sera bon. Voilà, c'est simple. Ça, au moins, ça a été vite fait. Vraiment, c'est bizarre que le poisson, ça soit vraiment mon truc limitant. Donc, on commence à être plutôt pas mal, là. En plus, on repasse en bilan positif. Accélérons un peu le tempo. Je suis à combien au niveau des ventes? 2800 sur 4000? Ouais, on n'est pas arrivé. Hein. Ça, par contre, c'est clair et net, on n'est pas arrivé du tout. Avertissement. Production ouais. Ah mais je t'ai même pas mis de route toi banane. Ah il y a les meilleures routes qui sont disponibles. Ah oui. Ah oui, ça va me coûter une blinde mais on a des meilleures routes de dispo. Ça va me coûter super cher. Voilà.
Nous avons des meilleures routes de disponibles. Je vais peut-être remplacer un peu nos routes. Surtout dans ces zones-là où on a vraiment, vraiment besoin de rapidité d'exécution. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ça fonctionne pas bien. C'est pas très grave. Ok. Là-dessus, on est pas mal. Ah, oh, il y a là aussi. Bon, c'est quoi? Ça a l'air de bien fonctionner ici. On est plutôt bien. On va pouvoir commencer à faire augmenter les... Allez, c'est parti. Nouveau bâtiment disponible pour la construction. Ok, je n'ai plus assez de béton. Mais on a récupéré des nouveaux bâtiments disponibles pour la construction. Nous avons la production d'acier, les repas de luxe et la puissance atomique. Oui, faisons de la puissance atomique. Il nous faut quoi? Extrait de l'uranium. Nécessite de l'uranium pour faire des barques de combustible. D'accord, et ensuite tu le fous dans une centrale nucléaire. Basiquement, c'est ça. Centrale nucléaire qui est... Ah, ok, d'accord. Les aéro-réfrigérants sont un peu tout petits. C'est genre la centrale nucléaire la plus compacte du monde. T'as le réacteur... Et le caisson de réfrigération à côté. C'est totalement ça. Ah là là. On a aussi les avenues. Station de désacidification. D'accord. Donc ça, il faudrait peut-être que j'en mette un pour... Ah mais ça... Oh, l'énergie. Moins 60 en énergie. Les mecs, ils déconnent pas hein, quand ils utilisent énergie. Alors, je veux juste regarder un petit peu où en sont notre truc. 402 sur, 100, sur 900. Ouais, ça monte. Acquisition foncière par un autre individu. Ah. Ah, shit, j'aurais dû aller sur celle-là. Ah oui, mais elle était déjà prise, je crois. Ah oui, genre le mec, il déconne pas quand il fait de la production industrielle. Rien à foutre. 500 milliards de pelleteuses partout sur cette île, c'est n'importe quoi. Je vais autoriser les droits d'ascension, je pense. Réveillant ce matin, j'avais le pressentiment que... Et merde, le mode de vie ne tient plus. Le mode de vie ne tient plus, non. Pourquoi? On produisait pas... Ah ouais, il doit y avoir trop de monde. Il doit y avoir soudainement trop de monde, il faut... du coup, je vais désautoriser les droits d'ascension. Tout d'un coup, ils n'ont plus assez de capacité. Alors, je vais rajouter une usine. Alors, est-ce que vous êtes relié? J'arrive pas à savoir. Oui, vous êtes relié. Ok. Nous sommes reliés, c'est plutôt bien. Ah oui, ça c'est le dépôt du port, on s'en fiche un peu. Centre-ville couvert. Ah oui, d'accord, un autre centre-ville différent. Ok. Donc, à partir du moment où vous avez ça, vous avez assez de pétrole, je me demande un peu. Ah oui, non, le pétrole, il ric-rac aussi. Oh là là, c'est quoi cette histoire de pétrole qui fonctionne pas bien? C'est où? Là. Allez, trouve-moi du béton. Je veux juste un peu de béton, voilà. J'ai pas des masses de béton, hein, d'ailleurs. Allez, fais péter le béton, mon gars. Toi, tu vas peut-être avoir besoin de monter d'un level. Et je vais peut-être encore te monter d'un dernier level. Et puis la viande aussi, la viande qui ric-rac. Puis la boisson, oh, et ça part en couille. Ça, c'est la partie chiante, c'est la partie qui commence à partir en couille dans tous les sens. Alors, il nous faut l'alcool. Il va nous falloir de l'alcool. Ok, on va faire de l'alcool. On va essayer de replacer dans le bon sens. Je suis pas du tout. Voilà, c'est bon. Faisons de l'alcool. On va essayer de repartir à la base. Alors, l'alcool, je crois que c'est du... C'est pas très gros. Ok, c'est pas ultra opti comme d'hab. C'est même pas opti du tout. Non, là tu vas avoir un problème si tu fais ça.
Shit. Ok. Ok, je pense qu'avec ça, on va pouvoir redémarrer un petit peu la production d'alcool sans trop de problèmes. La binouze. La binouze. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit qui a été un peu ric-rac ? Donc, l'alcool, ça va repartir. Avec les 4 nouveaux, ça devrait aller quand même. L'alcool devrait repartir. La viande. La viande va avoir un peu plus de mal à repartir, je pense. Plus, faut pas qu'il désévolue, mais Jean-Jean. Je suis à 500 sur 900. Il y a moyen, il y a fortement moyen que on y arrive dans cet épisode. Attendez, 25 minutes que j'enregistre. Ouais, si, il y a moyen. Hop. Si c'est bien. Ouais, non, c'est pas du tout bien, mais c'est pas grave. Non. Voilà. J'ai failli mettre de la merde encore. Ces usines à viande que je ne peux pas placer correctement. Un petit quelque chose pour Sokov transnational. Un ingénieur à Neotron, bon, je vais le trouver, ça va pas être très difficile. Du coup, là, pour le coup, j'aurais dû la caler carrément à côté. Ok, là, ça devrait aller. On va t'améliorer d'un niveau. Voilà. Alors, faut que je trouve un ingénieur à Neotron. Trouvé. C'était vite fait. Hop, on va lui filer. Voilà, ça, tu dois aller où? Ah, c'est pas à côté. Ok. Je pense que là, on a un petit peu refait les stocks, à part le mode de vie, là. Voilà, le mode de vie qui est toujours dans la grosse merde. Ah oui, bah, là, pour le coup, c'est juste ces usines-là qui ne sont pas libres. Alors, il m'en faut 6, le temps que ça arrive, 4, allez, s'il te plaît, 2 derniers. Hop. Oh, cool, un petit succès. Ah, il m'achète du poisson, c'est bien. Ça m'achète des trucs. Alors, il m'en faudra plus. Il m'en faudra clairement plus, je vais en prendre une deuxième. Donc ça va faire 4. Là, ça va produire, hein. Ça va produire, je vous dis. Par contre, effectivement, le bilan écologique est clairement pas bon. Un marché lucratif, ça vous intéresse? Non, ça c'est chiant. Votre manque de fiabilité va me... Il faut se déplacer et tout. Alors, c'est parti, normalement ça devrait remonter. Oh, et puis en plus je gagne de la thune. Sont le fer de lance de Sokov transnational. Ouais. Ah bah voilà, ça y est, ils peuvent continuer de monter. Je ne savais pas qu'ils avaient autant de membres. Ok, c'est parti, les droits d'ascension ont été émis. Ils vont pouvoir monter de level, je pense qu'on va essayer de garder ce rythme-là. On va voir comment cela va augmenter, ça devrait aller vite. Donc effectivement, dans l'idéal, c'est d'atteindre les 1000 employés Tycoon pour 900 ingénieurs Tycoon, histoire qu'on valide le truc, qu'on n'ait plus trop de problèmes. Ah, Trenchcoat arrive. Oui, je le savais. Quand Global Trust ouvre... Qu'est-ce que tu me dis, Trenchcoat? T'es là? Il est censé être là. Ah, ici, il arrive. Il achète quoi? Du diamant? Ok, d'accord. Il fait du diamant et des alcornes. Arme lourde. L'alcool, où est-ce que ça en est, d'ailleurs? Bon, la viande remonte, l'alcool aussi. Ouais, c'est bon, ça tient. Ça tient le coup. C'est pas parfait, mais ça tient le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mini petite coupure le temps qu'on atteigne le défi des ingénieurs tycoon. Normalement, ça devrait se faire. Je pense qu'il y a assez de monde. Quoique. Ouais, si, 33. Ils sont 33 à vouloir monter. Je pense qu'il y a assez de monde. Ça devrait se faire. Je vous fais une petite coupure et je vous retrouve dès qu'on a récupéré les 900 ingénieurs tycoon. Bon, alors, petite emmerde, il y a Sokov qui était tout content que j'utilise du pétrole jusqu'au moment où je me suis mis à mettre beaucoup de foreuses de pétrole parce que sinon, bah, je produis pas assez, voilà, ici, au niveau des raffineries.
Du coup, là, il me pose un ultimatum, c'est 35 tonnes de charbon ou c'est la guerre d'ici une demi-heure. Ok. Monsieur s'énerve, en plus j'ai pas assez de charbon. Bon, je suis actuellement en petit souci de galère. On va essayer de rectifier le tir, c'est pas gagné. Ça va être un petit peu la merde. Merde. Mais à côté. On va forer un maximum de charbon, je pense. Parce que j'ai pas envie d'avoir une guerre sur les bras. C'est un peu long, c'est un peu coûteux. C'est un petit peu le bordel après quand il y a des guerres. Du coup, on va essayer de pas trop s'y coller. Voilà. Donc, dans l'idéal, c'est que je récupère les 35 tonnes de charbon, que je les ramène tout de suite à ce cove avant qu'il me déclare la guerre. On va accélérer un peu le temps en espérant que j'ai les 35 tonnes le plus vite possible. Ce qui m'étonnerait étant donné que je consomme vachement de charbon, j'ai l'impression. 9, 8. Ah, si, ça peut se faire. 11. Reste plus de... Oh, si, c'est bon, ça devrait aller. Avertissement. Concasseur de basalte. D'accord, eux, ils... Voilà. Alors, en même temps, j'ai les 130 de... J'ai la maximum de comment ça s'appelle, de modules de construction, c'est normal. D'ailleurs, petit point du coup au niveau des employés, je suis à 835, on y est presque. En plus, on va pouvoir valider les employés. Oh, et puis ils m'achètent énormément de trucs, donc là je dois être à 6000. Ouais, bon, je suis presque au quart. Je suis presque au quart. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin, je vais juste rechecker. 35. Allez hop, on balance tout. Allez go, on va aller lui ramener avant qu'il me casse les couilles. En hurlant dessus. T'as fait trop de... Décidément, de trucs de pétrole. Vous profitez de la moindre occasion pour vous faire remarquer. Mais les mecs, ils me conchient dessus en permanence. Je suis tout oui. Cela sera du plus bel effet dans mon bilan financier annuel. Mais je t'emmerde. J'avais juste pas envie que tu me déclares la guerre. C'est pas le moment. J'ai d'autres chats à fouetter. Donc arrête de casser les noix. Sois gentil. Va manger tes morts. Et les 900 ont été validés. Et oui. Voilà, là je suis content. Maintenant il va falloir vendre des merdes. Genre vendre beaucoup de merde. Ce qui me fait penser, il faudrait peut-être que hop, j'upgrade ce bâtiment. On va pouvoir vendre plein de trucs, notamment des trucs qu'on a à la blinde. Genre ça. Genre ça. Genre ça, du coup. Et il va falloir faire des plateaux repas. Parce que là, je regarde mes stocks, c'est toujours la merde. Eh, sainte merde, Dieu. Ok, donc là je suis en mode je vends plein de trucs, mais il faut aussi que je maintienne un petit peu ma production. On va voir si on peut pas mettre ça. Ah oui, 7. Eh. Pas sympa, on accélère un peu le temps. Donc là quand ils vont m'acheter des trucs, les gens je pense qu'ils vont bien aimer. Ok, plus 829. Ça va être un peu long quand même pour les 40 000, mais ça peut se faire. Du coup on le fera peut-être pas dans cet épisode là, mais dans l'épisode... prochain. Quoique, il n'y a pas grand chose à faire, surtout. C'est surtout ça le truc. C'est que là, normalement, je produis suffisamment de trucs. Si ça tient le coup au niveau des ressources, si ça tient le coup, ça devrait aller. Pour la construction. Hein. J'ai peut-être interdit les droits d'ascension pour éviter qu'ils me bouffent trop. Plus je vais avoir tous les bâtiments disponibles, mort de rire. Ouais. Peut-être qu'on va laisser tourner comme ça. Je vais laisser tourner le jeu. Monter un petit peu les gains du commerce. Voilà, plus 3000. Voilà, c'est ça. Vous avez vu? Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, bim, masse thune. Je suis à 12 000. Ouais, je vais faire tourner un petit peu le jeu. Et je vous reprendrai une fois que... une fois que j'aurai un peu atteint ou que je pense que j'aurai saturé mon disque dur... de vidéo, parce que ici il sature, vous aurez pas la fin de la vidéo, ce qui serait un petit peu embêtant. Donc je vais couper un petit peu et je vous reprends dès qu'on a atteint un certain stade. Ça y est, le dernier bateau arrive. Normalement, il va m'échanger suffisamment d'argent pour
Voilà, ça y est, validé. Mission validée. Enfin. Les performances sont impressionnantes. C'était un peu long. C'est toujours un plaisir de travailler avec des professionnels comme vous. Continuez comme ça. Et ben bim. C'était un petit peu long quand même sur la fin, j'ai fait que appuyer sur le bouton plus en attendant que les bateaux défilent. C'était un petit peu long. Et j'ai une furieuse envie d'éternuer. Non, bah finalement non. Ok, 4h32 de jeu, absolument pas, j'ai dû faire que 1h30. Mais à coup de petit plus pour aller plus vite, bah ça va vite. Hein. Ok, deuxième mission terminée, c'est plutôt pas mal. On fera la troisième mission bah, dans le prochain épisode. Ce qui nous... Voilà, c'est bien, on est bien. La prochaine mission est difficile par contre, donc on va un peu plus galérer, et je suppose que c'est à peu près le même principe. Installer des responsables Tycoon, donc voilà, c'est le niveau encore au-dessus, et faites fortune grâce au commerce. Va falloir envoyer les billets verts, hein, va falloir envoyer les billets. Vos résidents ne génèrent quasiment pas de revenus fiscaux. Ce secteur abrite un certain nombre de partenaires commerciaux. Découvrez ou conclure les meilleures affaires. Donc ouais, là, clairement, je vais vraiment pas pouvoir me servir de mes employés, tout ça pour gagner de l'argent. Il va falloir compter sur un bilan négatif, mais de la vente de produits. C'est ça qu'il va falloir faire. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.